Il n'y a pas de parole, président, sur deux aspects. D'abord, la caravane, comment va la caravane? Est-ce que volet agricole caravane, nous anticasse minimiser au profit de la création d'infrastructures, moins ouais, question route, etc., cap est construit. Et parlez-nous anticasse de aspect agricole caravane. C'est parce que c'est lié en rapport à vente et à assiette. Et puis ensuite, entretenir. Bon, notamment, faut-il parler nous tout de l'état des consultations. De l'état actuel des consultations. Alors c'est on finit à première, on finit à première. On finit à première ou bien est-ce que il y a un nom parmi panel que j'ai là qui est capable premier ministre. On voulait parler de colonel Ribu. Comme vous savez la famille de ton royaume ne m'oublie pas. Bien. Ah non, souviens parler de conjoncture d'abord. Souviens-toi de moi. Oui, alors n'a pas dit que événement 6-7 juillet qui conduit à démission gouvernement, non seulement li fait ou est nécessité pour que il y ait une révision de stratégie au plus haut niveau de l'État, si c'est vrai que le structurel dans le cadre de vision de développement général sur le plan macro est extrêmement important, mais il y a le conjoncturel aussi qui méritait que pouvoir prendre plus en compte parce que l'expression populaire est traduite suffisamment. Et moi, dans le spot dans la radio qui dit des boutons de mon abdou gaz pour aller monter, c'est pas vrai, c'est monde qui besoin de mettre instabilité. Et là, on rentre dans l'autre champ et ça me donne les champs Toxi Infoa qui lui-même gagne comme vocation fondamentalement pour lui semer la peur panique dans les esprits et réseau d'acteurs qui en général des LIO et ont gagné des visées au plus haut niveau de l'État pour que gon chambardement parce que le Toxi Info ça yo lagué que ce soit pour faire quoi que gon problème au niveau du corps social que gon problème au niveau économique ou au niveau politique et même donc, géopolitique ça crée la peur panique et nous conscients que ça t'est qu'à jeter nous effectivement mais ça qu'à jeter n'importe qui gouvernement dans n'importe qui pays s'il pas bien implanté parce que l'homme moun rete sciemment ou profiter d'une conjoncture, parce qu'on connaît population, qui était foncièrement opposée à justement prix produit pétrolier, ou dit, va occuper pouvoir, qui te dit non, il fait retrait de décision, mais elle saute de 85 gouttes, mais elle gagne bon genre d'information que gaz là qu'on y a fait monter à 65 gouttes, c'est ça, les toxiques infos. Attention, pas beaucoup, hein, quel côté. Lui connaît pertinemment que l'a joué sous un code sensible pour le capable créer une désorganisation sociale qui pour venir contrarier la stabilité sociale. Donc, et c'est politique. Donc, communication publique la prend note de ça. Et en termes de prévention, gagner une campagne intense pour dire mon yo, attention à ça à travers la radio. On a non, c'est pas une démarche proactive liée. Il faut nous dire que c'est après justement que réseau d'acteurs qui me gagnent pile intérêt à ce que des turbulences sociopolitiques dans le pays hein, fin fait bricouri ça pour voir t'es en mode réactif par rapport à lui-même parce que le président est très clair il fait retrait de mesures là et pas de gagner aucun organe officiel de l'État qui t'a annoncé des dispositions. Alors le président dit qu'il va chercher comme l'on l'autre côté mais bon peut-être au cas dit nous tout à l'heure qui côté à chercher manque à gagner que retrait mesure là pour le produit dans le budget. Le président dit que on va chercher quelque part d'autre. Bon, moi, je ne suis pas tant des présidents faire déclaration ça dans deux. Non, il a dit. Dans deux. Dans deux adresses à la nation, bah, je le dis. Cependant, il l'a c'est dit, une déduction logique il l'a dit. Dans le cadre, on approche budgétaire. Yeah, où tu as des prévisions de recettes qui doivent être proportionnelles à prévisions en termes de dépenses. Si je dis un vingon manque à
rentrer m'ta dit dans recette ça yo du fait de retrait mesure ça faut gain ajustement fait moi confirme que tu dis la première adresse qui bail samedi soir c'est ça ou bien en termes de nouvelle stratégie pour que recette yo augmenter ça va de soi d'accord mais côté n'ta venir avec vous tout à l'heure sous affaire réseau d'acteurs qui ont même prend plaisir dans ça c'est parce que on connaît un levier sensible dans mayo pour provoquer justement instabilité et dans première intervention mon pote permettez-moi dire monsieur Jura mais pour qui ça n'ont pas fait n'ont pas demandé comment Anadip et font déclaration puisque c'est il y a vend gaz pompio là. Non mais non, excusez-moi. Anadip ta font déclaration. Excusez-moi ingénieur Pradel. Le président de la République dans une adresse à la nation annonçait que retrait fait de mesures là. Et son mesure qui était annoncée officiellement par l'exécutif. L'exécutif dit il fait retrait de lit donc prix de départ retourné. L'autre organe, pas qu'à supérieur à l'exécutif, dans le niveau ça, pour le tabine communiquer en plus sous lui. C'est par rapport à nouveau dérapage. On dit que le réseau d'acteurs qui, à la base, de souvler sans assister dans le pays comme volonté pour que gagne un déchirement du tissu social pour arriver dans le chambardement total, c'est à la suite de ça que tu as une réaction. Pour nous venir directement. Pas comprendre ça. Non, non. Ou dis-moi pour quelle raison Anadip pas de vini pour te dire que tout le bagage est stable. C'est pas ça? Non. Qui ça? Puisque n'a fait des déclarations au fond de contre-propagande. C'est-à-dire n'a contre-propagande. Moi, je dis que, à mon avis, meilleure approche pour moi, Anadip sont responsables, sont autorités en matière de vente, etc., de commercialisation. Distribution. Puis qu'a dit que gagner une propagande qu'a fait sur les réseaux sociaux qui dit des bagailles, nous-mêmes, en tant que Anadip qui est responsable de ça, pris ou pas vague. D'ailleurs, une déclaration pareille est beaucoup plus crédible. Beaucoup plus crédible. Parce que les grands aspects techniques. Normalement. Oui, oui. Bon, t'as plus crédible. Entre crédibilité et crédibilité. Non, 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 pas prendre un mot crédit. Non, non. La réalité sur elle est. Ou après un mot crédit là d'une autre manière. Suggestion, non, non. Ou la suggestion, on l'a prise pour ce qu'elle est. D'une autre manière. On mesure de renforcement, si vous voulez, au niveau de la communication, ce serait de bonne guerre. Alors, pour retourner, pour nous être très concentrés sur question, non, pays. Et, fort de événement, chef l'État, n'a obligation, je veux dire, pour que l'arrivée à désignation, au plus vite, de en chef de gouvernement suite à démission Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine avec tout le gouvernement. Ça l'impliquait et chef l'État a dit l'adresse à la nation le défait. Hein. Jodi an faut que nous aller vers un gouvernement inclusif. Et pour arriver là, bon carrefour qui est inévitable, c'est carrefour consultation, dialogue, consultation et avec les vrais acteurs. Il y a des acteurs que conjoncture politique l'a commandé. Il y a des acteurs que constitutionnels. Il y a des acteurs formels. Imposés. On a parlé de président de Chambio, par exemple, de branche dans le Parlement. Et conjoncture là, m'a dit aujourd'hui que ces acteurs, dans le niveau économique ou bien dans le niveau politique ou bien de la société civile, les chefs de l'État rencontrent en pile là d'ailleurs. Et avantage consultation, ça, c'est que même gens avant départ au gouvernement, ont gagné des points de convergence. Dans toute consultation président république, là que tu dis, il faut que, enfin, c'est ça, tu penses que le gouvernement qui l'a allé, que il a mis en place un nouveau gouvernement, dans le cadre de consultation, ça y est, il y a des paramètres qui retournent à chaque fois. Prochain premier ministre, là. En ce qui a trait au profil. Au profil. Il faut que c'est un citoyen qui, je dis, l'homme ou dans des noms, Qui ne fait pas peur. À aucun secteur. Ou est une capacité pour chita parler avec lui, dialoguer. Faut que ce monde qui a ouvert sur tous les secteurs, ça c'est soulé ça. Acteurs, ils ont même unanime à dire. L'autre bagage, ils pensaient que faut que ce soit un citoyen qui gagnait une certaine pratique.
expérience de l'état de la chose publique. Faut que c'est pas un amateur et on bagaille en pile secteur dit président Jovenel Moïse, il faut pas que nous ait impression que sous pour un premier ministre et puis au final ce n'est que pour la forme mais que c'est nous même nous à travers lui parce que à travers le premier ministre Jacques Guy Lafontaine l'impression que nous avons toujours gagné c'est que vous êtes à la fois président et premier ministre l'impression ça ils l'ont dit, mais c'était justifié non vous savez monsieur Péguijan vous avez la mauvaise manie de poser les mauvaises questions <Non. rire> Mais c'est une question. En tout cas, bien. Sous une question mauvaise, ça montre que le bon. Ça montre que le bon. D'accord, merci. D'accord, yeah. Et alors, non, c'est pour vous taquiner un tout petit peu aussi, là. Oui. Et. Alors, est-ce que le président a une deadline, vu l'urgence de la chose et vu aussi la nécessité de bien faire, est-ce que le président, quand même, a une deadline, vous dit, bon, non, à partir de X délai, m'a désigné et puis fait consultation formelle avec le président par rapport à la conjoncture mais non par rapport à la constitution où on côté il était écrit formellement. Est-ce que ça veut dire que qu'il prend 2 mois, qu'il prend 3 mois, qu'il prend 4 mois toujours? Non. Est-ce que c'est ça veut dire une possibilité? On va le reprendre pour obligation président gagnant liée par rapport à la conjoncture. Et souvent qui le président gagnant Abdou depuis hier il est de choisir premier ministre déjà. Pour vous dire qu'il n'a pas de temps. Il l'a choisi hier. Non, besoin de bien comprendre. Alors, non, s'il va bien comprendre, m'a reprend, colonel. Oui, m'a dit au président Tédoué, choisi premier ministre depuis hier, depuis le 15 juillet. Tellement le pas de temps par rapport à la conjoncture. Mais ce n'est pas une obligation temporelle par rapport à la Constitution qui, même, dans l'article 167, dit que c'est jusqu'à la mise en place du prochain gouvernement. Mais je dis, par rapport à la conjoncture, là, tout, s'il est vrai que le président de la République doit aller vite en besogne, mais fuck. Il doit aller bien. Aller bien. Et aller bien, qui s'allie, c'est parmi 3, 4, 5 propositions possibles pour le faire. Meilleur là. Et ça, c'est au confluent de discussion, de échange que la privée fait. Et je dis en là, il y a de grands avancées faites. Et dans un délai vraiment pas lointain, président républicain. 48 heures, 24 heures. Pas très lointain. Chef de l'État vient pour le communiquer à la nation le nom de Mounsa que choisit, qui doit tout, une capacité par rapport à la difficulté de gagner pour lui étendre sur le plan international avec nos partenaires étrangers pour que nous arrivions sur ce pays en sa ligne. Est-ce que la présidence a une opinion, une réaction par rapport aux récentes déclarations du président du Sénat qui a même avancé un an dans la presse? Le président du Sénat aurait avancé un an? Il l'a fait. Et c'est certain qu'il attendait. Ou bien presque certain. Comme grand pile auditeur est capable d'attendre, ou tout faire mise en contexte. Pour me capable d'intervenir. D'accord. Et. Ok, c'est ça. Oui, président du Sénat, elle a parlé de profil, etc. Publicité. Bon, alors, je rapporte les propos du président du Sénat. Les mêmes cités Evans Paul, il croit qu'il serait l'homme du moment, etc. Cela vous dit quoi au niveau de la présidence? D'un point de vue éminemment institutionnel, moi, c'est pas moi qui pense. La présidence gagne des canaux formels de communication. Et c'est même constitution ça qui accordait à chef l'État prérogative exclusive de choix premier ministre. Le président du Sénat, qui est un vieux routier, nous compte toute salle gagnée comme expérience. Et le sénateur Lambert, pas tant de déclarations directement. Bah, j'aime bien dire Monzo, il dit ça. C'est la première fois que j'ai dit ça. Moi, pas tant de déclarations, sénateur Lambert, il directement. Mais s'il t'a dit, je suis sûr que sénateur Lambert. C'est un regrettable, j'ai envie de dire. Je suis sûr que sénateur Lambert connaît très bien que c'est une prérogative exclusive du président de la République. Donc le président n'est pas lié par ces déclarations. Aucunement.
Cependant, le sénateur Lambert peut avoir son opinion, il peut avoir sa position, tout comme nous tout bas table là. Moi-même, on t'a très aimé que c'est colonel République, premier ministre. C'est ta position, ou n'est-ce bien. Pas? Donc, non, c'était pour. C'était pour plaisanter un tout petit peu, mais vraiment pour revenir en réponse, pour être très sérieux. C'est le chef de l'État. Le chef de l'État a bien pour le désigner. Non, prochain premier ministre, là, ce sera fait de manière officielle, solennelle. On retourne sur la question caravane, non? C'est vous qui avez dirigé. Bien, pas de problème. Bon, alors, non, on va le parler. Ce n'est pas question à en inviter, quand même. On a une chance à soi, opinion. Alors, là, on a parlé d'un. Alors, l'autre paramètre, si vous permettez, vous pouvez ajouter, qui est extrêmement important dans le choix premier ministre, là. Faut que son premier ministre, qui est prêt pour accompagner chef l'État dans la vision de la guerre. C'est extrêmement important. Parce que ça a été oublié, ça. Ça fait non, non, tu as fait élaboration, mais vous savez, il y a tellement d'autres coupés. Donc, il faut qu'il est prêt pour l'y accompagner, président. Obligatoirement. C'est l'exécutif. L'exécutif est un et indivisible. Oui, d'autant plus que le président est le chef de l'exécutif. Yes. Oui, c'est ça. OK. Mais on te dit deux petits mots sur caravane, notamment le volet agricole de la caravane. Est-ce que nous devons croire que nous avons lâché le volet agricole là pour mettre accent sur les infrastructures routières, par exemple? Est-ce que c'est ça que nous devons noter? Comment ça y est pour question assiette là? Cette phase de débat sont tout indissociables. Et que vous considérez le volet agricole là proprement dit, que vous considérez environnement ou bien infrastructure routière ou bien barrage qu'a fait ou pas qu'à dissocier. Jodi, nous songeons que pour nous parler concrètement de lancement caravane qui est fait notamment dans l'Artibonite, pour nous rester dans la logique assiette ou palier. Les retombées dans les assiettes. Pour qui raison l'Artibonite? C'est parce que jodi, vallée de l'Artibonite, c'est vallée qui produit plus d'urine dans le pays d'Haïti. Et il se trouve que d'urine, c'est représenté consommation première nous. Et on parle par an de plus de 500 000 tonnes de riz que nous consommons au niveau de la population. Alors, ce tableau, c'est moi qui ne peux pas manger du riz. Ça faut vendre nos plates comme ça. D'accord. Yeah. Et contre une production de l'ordre de 80 000 tonnes à 100 000 tonnes environ. Donc, nous avons déficit de plus de 400 000 tonnes, je veux dire, pour nous combler, pour nous arriver. On n'a pas besoin de faire une élaboration, non? D'autant plus, élaboration qui fait déjà. Moi, t'as aimé, 1, 2, 3, concrètement, dis-nous, qui retombait caravane agricole là dans les assiettes? Il se trouve que la question est adressée à Lucien Jura, à M. Péguy-Jean. Désolé, d'accord. Donc, Ndap, dis-nous donc, auditeurs, nous avons un déficit de plus de 400 000 tonnes qui pour compenser pour que nous arrivions à une autosuffisance au niveau national. Les premières actions dans la vallée de l'Artibonite, de 13 000 hectares de terre qui étaient en production, à tout travail qui fait dans la vallée, permet nous arriver à 30 000 tonnes de riz supplémentaires par rapport à ça que tu as gagné. Mais nous pas doué, du ni pas de tête nous menti. L'orgueillé on écart de plus de 400 000 tonnes pour combler, pour arriver dans une autosuffisance alimentaire pour essayer d'avoir une durée seulement pour y manger sans nous pas importer reste là. Leur produit 30 000 tonnes, il est capable de ne pas avoir aucun impact véritable. Et c'est là, nous pensons que il y a des gens qui sont très critiques, très acerbes, ou pas qu'à dire qu'ils ont tort, parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas retomber, mais ce n'est pas des retombées forcément visibles. Je dis, dans la conjoncture actuelle, la demande tant pour que ça vienne en réalité. Justement, le facteur temps, nous devons le confesser, c'est ce qui manque aujourd'hui, parce que événement 6-7 yo traduit en impatience beaucoup de population. Nous devons le confesser, tu as dit, c'est ça.
Je le répète pour vous, c'est la troisième fois, me dit sur table. Nous devons le confesser. Ça veut dire que t'es une erreur qui t'est faite au départ, en ce sens que nous t'es croyé que retombée, t'as concret. Déjà ou beaucoup plus rapidement dans les assiettes, est-ce que c'est ça qui mène nous à confession, ça, je veux dire? Et non, c'est pas là. Parce que le président de la République n'a pas une baguette magique dans même, pour le comprendre, que nous parlons là d'une projection sur son quinquennat. C'est pas pour rien dans un premier temps. Son projection sur de 13 000 hectares en activité de production, d'abord sur 32 000 hectares, ensuite sur 60 000 hectares. C'est parce que l'on connaît que ça va faire du jour au lendemain. Tout comme les infrastructures agricoles. Ou après, je veux dire, il y a des moyens qui baillent à direction départementale, côté où chaque yo gagné pour obligation pour construire 100 km de route par département. L'on prend 10 départements à raison de 100 km, ça vous donne 1000 km sur l'année et sur le quinquennat, sur les 4 ans qui restent, le président de la République a parlé d'une projection de 4000 km de route. Donc, okay. Maintenant, il y a le conjoncturel que ne pas jamais doué perdu de vue, et c'est ça, je veux dire, qui débat. Mais tout acteur que le président de la République a rencontré, il dit, bon, écoutez, nous connons pays pas qu'à développer sans courant. C'est bien. Nous connons pays pas qu'à développer sans route. C'est bien. Il nous faut remembrer l'agriculture. Ça prendra du temps. Quant à présent, il vous faut faire quelque chose. Et c'est là le débat. Pendant que mon focus plus grand doit mettre sur le conjoncturel, ça ne doit pas écarter pour autant les grands objectifs qui doit aller au-delà de la présidence de Jovenel Moïse, seule façon pour nous sortir véritablement bien. Un circuit infernal. Bien, alors venir à l'autre invité rapidement. Ma dernière question, madame, adresse au Lucien Jura. Est-ce que le président aujourd'hui, il veut ouvrir son gouvernement à l'opposition? Est-ce que c'est ça? Président de la République l'en prêt, j'en ai dit, pour le fonds gouvernement inclusif à tout citoyen qui d'abord gagne comme objectif pour travailler ou retirer pays ça côté l'IA. Quel que soit couleur peau, quel que soit section, quel que soit camp politique qui a appartenu. Quand dit citoyen, est-ce que vous voulez parler de parti politique, de secteur? Alors c'est certain qu'il est composé de citoyens. Est-ce que vous voulez parler de parti politique, de secteur? Donc il va s'ouvrir à la classe politique. On doit noter ça, non? Pour se renforcer, ça me dit avant moi. Un gouvernement inclusif qui l'ouvre à tout citoyen, à quel que soit chapelle politique ou à quel que soit chapelle sectorielle, il est appartenu, je dis, qui a volonté pour venir contribuer pour retirer le pays dans sa ligne. Alors, précision, avant d'enchaîner, une précision qui est importante, madame Lucien Jura, fait pour nous sous question ça. Est-ce que l'événement 6-7 juillet déterminant dans l'attitude que le président a gagné aujourd'hui, gouvernement inclusif, puisque ça qui t'est passé en grande partie, c'est le poté Jacques Guy Lafontaine aller. Est-ce que implication parlementaire, yo, député, sénateur, dans cabinet ministre, dans formation cabinet ministériel, composition équipe gouvernementale, là, influence ça, implication ça, l'a diminué? Et trois, est-ce que, gué parole qui dit jeudi, que parlement a baillé président possibilité pour le monter gouvernement, naturellement par rapport à toute critique qui vient sur député, sénateur, mettez moun, tout dérive, ça produit toute conséquence, ça gagne sous-population, hein? Dans qui côté présidence là, situelle par rapport à trois possibilités, ça, qui évoqué là, gouvernement inclusif, implication des parlementaires, président qui est obligé de par rapport à ce qui passe comme événement politique malheureux. Ce qui est évident, c'est que le président obligé de recaïl. Il connaît. Il y a obligation pour le Wewel. C'est ça qui fait le besoin, le maximum de points de vue possible pour le Wewel, phrase pour le Wewel, paragraphe pour le Wewel. Maintenant, par rapport aux parlementaires, bon, réalité, il n'y a pas moins de deux autour de table. La plupart du temps, Lucien Jura et le sous-PHTK, leur arrivé dans le Parlement, ces affaires Lucien Jura l'a réglé. Il n'est pas dépendre de PHTK. Et dans la dernière rencontre que le président de la République a été avec les partis politiques, ils ont tout été unanimes à dire, nous voulons faire ça, que le traitement n'est pas fait avec les députés, mais avec les structures politiques, les partis politiques. Et la réponse du président, écoutez,
Mais les députés, ils vous appartiennent. Ils vous appartiennent, messieurs. Quand nous prenons, quelle que soit la structure politique, là, nous prenons. Est-ce que vous voulez dire que député ou sénateur a mis des ministres, Jean, nous t'es vivé dans le gouvernement tombant? Écoutez, dans la réunion, ça a été gagné. C'est chef de parti, représentant de parti, qui dit, il n'est pas bon pour que il y ait des discussions qui fait directement avec les parlementaires. Le président de la République l'a répondu, prenez vos responsabilités, messieurs. Ça veut dire, ils appartiennent à vos structures. Parce que moi, quand je vous appelle, quand vous venez autour de la table, nous entendre avec telle structure politique, pour nous aller dans telle direction. Mais c'est député ou yo, dans le parlement, c'est sénateur ou yo, qui eux-mêmes supposés accompagner l'exécutif pour aller dans la direction ça. Mais si leur arrivée, chaque position par eux, qui est totalement contraire. À l'impatio. À l'impatio. Mettez de l'ordre chez vous, messieurs. En avez-vous la capacité? Je veux dire, son gros déballier. Est-ce que leur discuter avec sénateurs, députés dans telle structure politique, est-ce que position a reflété non, position structure là à partir de discussions faites avec chef l'État. Vous entendez tout à l'heure dit dans l'introduction que l'OPL t'a sur le point, pas attendez trop bien, soit pour le ouais position basculer dans l'opposition, c'est en position ouverte exprimée ou quand même d'arrêter de parler parce que il a exprimé ouverture que il participe tout à l'heure le sénateur Leblanc. Mais qu'il y a qui capacité OPL en tant que structure politique, lui elle dit basculer dans l'opposition pour que tout député Lio yo basculer toi avec elle. Ou bien pour le faire yo basculer. Ou bien le OPL fin prend décision ça ou gardou et toi député suivre coordination OPL là et puis si cela dit moi-même on va dans l'autre direction. Là quelque part, il y a la responsabilité aussi des structures politiques. Bon, mes amis, et après ça, on a un jeune sénateur Denis. Mais si une table substructure là, c'est un sénateur Denis. On nous suit l'INA, donc permet sénateur Denis intervenu. Oui, alors, qui s'acta doué comment configuration donc, alors, nous, sénateur Denis, je dis à ses vérités. Non, c'est inité. Inité. Ah bon? Non, mais même pas, yo. Non, c'est pas même pas. Eh oui, ok. Nakini. Depuis les élections de. L'unité de la vérité. Nakini, est-ce que vous consultez nous? Très bien. Est-ce que nous parlons avec le président déjà? Est-ce que nous avons conseil, nous avons avis? Est-ce que nous parlons pour nous impliquer nous, pour nous participer? Et qui compte situer nous par rapport à la consultation qu'a faite là? L'unité, pas qu'on invité pour rencontrer avec le président. Récemment, Paul Denis a eu l'occasion, a eu deux occasions, durant cette semaine, de rencontrer le président. Ah bon? Ça, bon, étant donné nous un moment de vérité, est-ce que très bien, t'es un petit problème sortiant, donc on rencontre le président de la République là deux fois. Oui. Deux fois pendant ce moment-là, non moment que le président assez occupé. Ça veut dire pour le moins que rencontre à voir là important pour le président. S'il arrivait faire deux rencontres à voir en si peu de temps, et est-ce que ça veut dire que le président sollicite expertise ou que ce soit en termes de conseil ou de participation directe de non ça qu'a fait Dieu parce que non faut que moi dis que à un certain moment non t'es fanticité. En fait, moi rencontre le président qui devrait tendez-moi. À titre personnel. À titre personnel. Et d'ailleurs, l'homme rentré, dès le départ, me dit moins présent là pour me parler avec vous, mais c'est à titre personnel, m'a vu parler au nom de mon parti. Et donc, on a échangé sur la situation. Ça va te déranger que c'est à titre personnel? Je suis une personnalité politique. Non, ça t'est arrivé au dit président, mais que c'est dans une unité que M. Tavo Pito, ça sont possibilités. Non, mais cela ne dispense pas le président pour le rencontrer avec le parti. Ok. Parce que le président est capable de consulter. Cependant, si le président voulait avancer de manière institutionnelle, il gagne pour le parler avec le parti politique. Là. Parce que moi, je ne peux pas engager le parti politique tout seul. Oui, tout seul. Alors,
Oui, on a échangé sur un certain nombre de choses, naturellement. Une conversation mon gars, avec le président, ou après, il m'a demandé moins pour me parler là, sur la place. Ils ne sont pas capables, d'autant plus que c'est mon moment de Nous avons dit le président deux fois. C'est mon moment de vérité, ou une réputation de franc-parler, et on a parlé de problèmes sociétaires. Donc, ça a fait. Là, ou toujours capable. Pour qu'ils ne soient pas capables. Ou toujours capable de poser une question sous position, sous processus. Ça. Mais au pas qu'à demander moi pour me dire ça me dédie avec le président. Okay. Ma position, tout le monde le sait. Okay. Ouais. Mais est-ce que... position. Okay. Et si vous avez besoin de clarification, ma belle clarification. Très bien. Mais sénateur Denis, est-ce que quand même, dans ce que tu as dit en tout même avec le président, je vais demander vous dire pour rapporter ce que tu as dit en tout même avec, mais est-ce que possibilité pour combler, pas nous, au niveau de la primature, est-ce que ça a été évoqué dans l'échange là? Non, ça n'a pas été évoqué. Très bien. Voilà. Eh bien, nous voyons une fusion. Oui, nous avons une fusion. Je ne peux pas parler, non. Ah non, ou qu'à enchaîner, s'il vous plaît, puisque là, nous avons une question consultation. C'est ton ouvrage. Allez-y, monsieur. Okay. Ça, Denis. La question. Vous n'avez pas une question à poser. Alors, nous parlons de consultation. Dans quel niveau unité prêt pour impliquer dans la discussion. Et si Zoka, président, a fait appel à nous, est-ce que nous sommes prêts pour nous participer, pour nous avoir un représentant au niveau du cabinet ministériel à venir? Je suppose. Je suppose si le président fait appel à l'unité. Certainement, la coordination du parti va se réunir pour discuter sur l'opportunité de répondre à l'invitation et accorder violon yo sur ça yo vle à parler avec le président. Naturellement, moi, je vous remercie sur la conjoncture et sur la façon pour essayer de sortir la conjoncture. Lucien Jugas, ce palais là, bon profil de premier ministre. Que je souhaitais, on peut le joindre, qui pour venir là remplacer et le premier ministre sortant. Naturellement, c'est important, très important. Mais ce serait peu de choses si vous veniez avec un premier ministre qui a un bon profil sans que vous pas dégagé au niveau de la société un consensus sur quelle politique. Parce que le premier ministre, Ivina, c'est un chef de gouvernement qui va gouverner. Et si ou non mon premier ministre pour faire comme avant, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Là, vous voulez parler d'un premier ministre avec une feuille de route, un agenda précis. Absolument. 1, 2, 3, 4, 5. Absolument. Mm-hmm. Et un premier ministre qui gagne un agenda précis, mais agenda ça, elle a sauté à partir de consultations qui faites en différents secteurs importants de la société. Jodia. Et faut qu'on ne pas comprenne que un président de la République, Ligon marge de manœuvre, parce que la marge de manœuvre dont disposait le président, elle était rivée dans le pouvoir, c'est Youn. Mais je dis à marge la lui-même. Il n'est pas même, non? Marge la pas même. Et faut faire attention parce que pays à la, je dis à la, son pays qu'en bouleverse. Je dis à la, son pays côté monde qui tape dirigé. Il faut rendre compte qu'il n'y a pas qu'à continuer à diriger comme avant. Parce que les dirigeants eux-mêmes n'ont pas disposé pour continuer à vivre eux-mêmes comme avant. Bon problème. C'est-à-dire la population. La population. Mm-hmm. La population la vivre en état là qui est soutenable. On n'y a pas qu'à arrêter pour garder, pour les gens qui vivent dans le pays, ça, pour comprendre, pour ne pas interroger tête ou pour dire. Ça me défait, ça me décomprenne. Est-ce que c'était bon? Parce que on n'a pas apporté les vraies réponses. Parce que si on n'était pas apporté les vraies réponses, nous pas là. Parce que ce sont des choucages qui fait là l'autre jour. Moi, je connais des choucages faits en 86. Des choucages faits, président tombé, des choucages faits. Mm-hmm. Bon. 2004. En 2004. Oui, au départ d'Aristide. Au 9 février 2004. Non, c'est-à-dire pendant Aristide.
pendant parce que moi me bat ouais des choucages en 2004 moi même c'est pendant c'est gain des choucages des gain pillage oh, l'état des droits c'est allé non non on parler ça sont l'autre bagage c'est pas des choucages non et gain des choucages tu gain des choucages en 2001 17 décembre 2001 et alors le tu gain des choucages on parle contre parti opposition yo c'est ça il y a eu un déchoucage c'est un gouvernement établi qui a déchouqué ses adversaires en 86 c'est un gouvernement qui tombait alors on a déchouqué les partisans de l'ancien gouvernement voilà je dis à la période un président symbolique la convergence démocratique la fameuse convergence démocratique à l'époque la 6-7 juillet on a vu un déchoucage contre le pouvoir en place moment ça son bagage nouveau lui son bagage nouveau et on doit prendre conscience de la situation. Pourquoi ils ont dit contre le pouvoir en place? Mais contre le pouvoir. Comme c'est des business. C'est des... Alors, parce que business, aucune institution publique n'a été ciblée. Pourquoi ils ont dit contre le pouvoir? On reproche justement certains hommes d'affaires de leur lien avec, avec le pouvoir. Et le pouvoir d'avoir des liens très étroits avec des hommes d'affaires. Oui. Et je dis à là, les hommes d'affaires de ce pays. L'important pour qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas continuer à faire business as usual. Ils doivent changer leur manière de comprendre la façon de faire de l'argent dans ce pays. Pourquoi c'est ça, ça que passé a suffi pour faire comprendre ça? Alors, à mon avis, c'est un signal. S'ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas comprendre. Les gens qui ont de l'argent, on s'attend à ce que l'argent, ils ont gagné en bonnes conditions. Ils ont fait business, ils ont fait affaire. Et nous souhaitons surtout que ne pas contentés seulement pour acheter, vendre, pour faire l'argent rapide. Nous souhaitons que les hommes qui ont de l'argent dans ce pays, ils ont investi dans la production. Alors, excusez-moi, sénateur, selon Réseau Nord-Ouest, il y a le père Nathanaël Saint-Pierre qui a répondu à Réginald Boulos, qui était sorti un gros document. Pour exprimer des bois par rapport à ça qui passe, mais détermination tout selon ça le dit pour continuer investir dans le pays. Père Nathanaël dit que tant et aussi longtemps que votre capitalisme ne présente pas un possible visage d'humanité, la sauvagerie du peuple viendra mettre les pendules à l'heure. Les vauriens ne deviennent pas ventours sans raison. Ils le font parce que la charogne augmente. Bien à vous. Un citoyen comme vous, Nathanaël, lui, Barnabé Saint-Pierre, son prêtre. Bon. Ils sont extraits de la réponse de M. Baye Réginald Boulos. Oui. Bon. Moi-même, ça me pensait. Je me pensais que les gens qui ont de l'argent dans ce pays, qui veulent investir, ils ont pouvoir fait pour créer les conditions pour permettre à ce que le monde qui a l'argent investi est fort capable de créer conditions pour que le business soit capable de développer, mais il y a créé richesse, mais pendant qu'il a créé richesse, ça y a doué l'État, il faut que paye. Et je dis à l'Alain Pays, c'est pas ça qui gagne. Une chose. Deuxièmement, l'œil crée richesse. Richesse, il faut partager de façon équitable. On doit distribuer, on prend un pouvoir d'achat à la population. Il faut mettre en tête que plus population a un pouvoir d'achat qui est important, plus il y a fait business. Comme oui, plus il y a fait business. Alors, parce que l'or est l'orgue pouvoir d'achat. Soit vend, soit produit, soit vend. Pas besoin de monde qui peut acheter la main. Plus monde gain moyen, on prend l'argent la main. Ou alors, c'est ça, le capitalisme a la... visage humain. On sait certains visages humains. Si mais son capitalisme, on dit, qui comprennent. Voilà, on bagaille élémentaire. Nous avons ici des gens qui ont de l'argent, des capitalistes, des bourgeois. Mais l'esprit de compétition, on pas gagné ça du tout. Ici, ils ont partagé le marché. Ils ont partagé le secteur. On partage de secteur, il n'y a pas de compétition, on n'admet pas la compétition. C'est pas supportable, un pays ne peut pas se développer dans ces conditions. Le marché n'est pas ouvert. Le capitalisme ne s'est pas développé avec les monopoles. Alors, donc, moi dis, il faut que les gens qui ont de l'argent comprennent que ce pays évolue. Situation Jean lié là, n'est pas bon pour personne, n'est pas bon pour tout, même si on gagne l'argent. Parce que, justement,
à n'importe quel moment. Et la somme de mécontentement, de frustration que pauvre yon gagne qu'a éclaté, et sous jouen yon démagogue, ou jouen un populiste qui, par malheur, li capable prendre direction mouvement ça, yo pral mal orienté et les dégâts capables incommensurables. Et ça que saute passer là, il faut le dire. Alors ça approche sociologique de la question qu'on parle là, son approche sociologique de la question, mais l'approche juridique vous dira la propriété privée est sacrée, il faut etc. Donc non, font approche sociologique qui fondamentale et que l'État, la société doit comprendre. C'est-à-dire que mon cap dirigé doit être un sociologue cap et conseiller et tout. Oui, mon cap c'est ça qu'on dit, que c'est une réaction de la population face à l'agression de l'État. Ça, son approche sociologique, mais doit lui-même qui était non carcan pur. Alors, montre que c'est tout simplement une atteinte à la propriété privée. Les directeurs d'opinion, les hommes politiques surtout, certes, faut qu'ils soient à l'écoute de la population et faut qu'ils battent leur capacité pour accompagner la lutte peuple à mener. Mais la lutte du peuple, c'est pour le fait l'encadre. L'encadre. Ordonné. Donné et ordonné. Et il y a un monde qui est un homme politique responsable, ou pas qu'à encourager les destructions contre la propriété privée, ou qu'à encourager les révoltes contre les injustices, mais qui pour exprimer d'une certaine façon. Et les responsables de l'État, ils ont pour obligation pour toujours mettre en mesure pour protéger les villes et bien les investissements. Alors, moi je dis, Jean Péia est là, il faut que nous comprenions. Mon cap dirigé, président de la République et autres. Et les gens qui ont de l'argent, Péia va continuer comme ça. Il y a trop de misère. Il y a trop de misère. Est-ce qu'on dit président? Il y a trop de misère. Si je ne pas dire ça, et bien attendez là, je dis à m'inspirer. On va nous bien avec ça. Il y a trop de misère dans ce pays. La vie est insupportable pour une grande, immense majorité de la population. Et au bout le phénomène jodia d'abandon, monde qui a quitté le pays. Parce que on a tué l'espoir. On a tué l'espoir. Et monde qui a dirigé, il faut comprendre ça. Il faut offrir des opportunités aux citoyens et aux citoyennes pour qu'ils vivent dans le pays, pour qu'ils travaillent, pour qu'ils prospèrent. Qui a 18-19 ans, il a besoin de quitter le pays. Absolument. Tout le monde jeune, c'est ça à dire. Il n'y a pas d'opportunité. Tout simplement, donc, au Djamba est fondamental, c'est l'espoir qui a été tué, ce qui fait que Mounio pas quoi dans rien encore. Right. Ni Moun qui l'a, ni Moun qui proposait tête pour y retourner. Donc, quand pile débat qu'a fait, au point que il y a Moun qui croit que tu as une émergence d'une troisième voie, qui prenait, on va dire, une certaine modération qui n'est pas nécessairement gauche pure ou bien gauche traditionnelle ou la droite, etc. Donc, il croit que faut gagner une sorte de convergence qui pour aboutir à une nouvelle émergence qui est capable de rallier tout le monde.